pour faire un bracelet-montre et pour être scellé maroquinier, il faut de toute façon aimer son métier. Et je pense qu'il faut être très humble face à la matière. En 2016, Philippe nous a mis au défi de réaliser en fait des cadrans en cuir, qui est quand même la matière emblématique de la maison Hermès. Et nous, quand on a vu ce dessin, on s'est dit, mais ça, il faut qu'on utilise une technique existante sur le bois qui s'appelle la marqueterie. Le gros challenge, ça a été mettre en place cette technique sur notre matériau. C'est une matière qui est vivante, c'est une matière qu'on doit respecter. Le moment où on va poser les morceaux, c'est vraiment la finalité. Mais le démarrage, c'est déjà choisir où est-ce qu'on va couper nos morceaux dans la peau. Moi, travailler chez Hermès, ça m'apporte reconnaissance et fierté. Au départ, j'étais artisan et aujourd'hui, je suis plutôt manager d'équipe. C'est une maison qui me laisse le temps, encore une fois, et qui a tellement de respect et de valeur, qui me donne la possibilité, humainement parlant, de faire grandir les artisans, de prendre quelque chose et de leur transmettre. Moi, j'ai un peu du Hermès qui coule dans les veines.